Allez, c'est bon. Hop. Jusque 12h30. On est en promenade aujourd'hui, plus précisément à Port-Bail, sur la côte ouest de notre beau département. Pourquoi Port-Bail, me direz-vous? Eh bien, parce que ce week-end se déroule un grand rassemblement cycliste. Il s'agit de la Gainsbar. Et à mes côtés, c'est André Quentin. Bonjour, André Quentin. Bonjour. Vous êtes monsieur organisation, on va le dire. On vous voit courir partout. Avant de nous parler des enjeux sportifs de ce week-end, un mot du nom de la course, parce que je pense que pour les non-initiés, c'est assez étrange quand même de voir le nom de Serge Gainsbourg associé à une course cycliste. Oui, disons que j'ai eu la chance de rencontrer Serge Gainsbourg en 1989, qui m'a signé un chèque de 100 000 francs pour le club de l'avant-garde de l'Aïe du Puy. Et bon, suite à ce geste, je souhaitais organiser une belle épreuve cycliste en souvenir de son geste. Parce que bon, un homme du showbiz qui est friqué mais qui donne de l'argent, il y en a quand même très très peu. Et je pense qu'il méritait qu'on ait une grande course c'est la sixième en hommage à son geste. À mes côtés, quelqu'un qui est important dans les courses cyclistes, c'est Gérard Gonel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes animateur de course. Ça consiste en quoi exactement ? Tout simplement, animateur égale animation, mais c'est un petit peu plus particulier que la radio, puisque nous sommes en direct et sur le site. Alors, l'intérêt de l'animation dans une course cycliste, c'est de présenter aux spectateurs qui sont là les coureurs, si on est dans le vélo, les équipes, si on est dans le football. Mais c'est aussi de parler d'eux, de les présenter, de donner leur palmarès. Et puis, entre chaque passage, de créer une animation avec un peu d'humour, enfin, créer tout simplement l'ambiance. J'imagine que les spectateurs qui viennent assister à des courses cyclistes sont en général assez bon public. En tout cas, on les voit dans les grandes manifestations. Les gens aiment le vélo. Alors, le vélo est très populaire en Normandie, dans la Manche en particulier, ici, dans ce coin de Port-Bail et du Nord Cotentin. Et c'est aussi un public de connaisseurs. Donc c'est là aussi où nous devons quand même travailler assez sérieusement, c'est-à-dire ne pas inventer trop les palmarès, mais s'approcher. Vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi. Au plus près de la réalité. D'accord. Bah écoutez, Jean-François Lavolo, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur France Bleu Cotentin. On vous souhaite du courage et puis une meilleure journée possible. On va faire attention parce que ça peut glisser un peu sur la route. À espérer qu'il n'y ait pas trop d'eau cet après-midi. À espérer. Je vous promets des petites éclaircies, mais ça sera vraiment pour la fin de l'après-midi. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne merci. Matinée. Merci. Au revoir. Bonne matinée à tous sur France Bleu Cotentin. Il est 11h55. Pour lui, en tout cas, elle existe depuis 6 ans maintenant. Nous en sommes à la 6e édition, effectivement, de cette Gainsbar. Et André Quentin a voulu faire un plus cette année. Il s'est vu, après avoir posé candidature, il s'est vu attribuer donc cette Coupe de France Look. 3e rendez-vous, je le rappelle, après les épreuves donc de Bordeaux-Saintes et le Chrono d'Or. Bordeaux-Saintes, donc, en Poitou-Charentes, le Chrono d'Or dans l'Orléanais, en Normandie donc aujourd'hui la Gainsbar, et puis nous irons en Bretagne pour le quatrième, en Aquitaine pardon, pour le quatrième rendez-vous. Ce sera au cours
du Tour du Périgord à travers les Bastides. Le cinquième rendez-vous, ce sera au mois de juin avec la Val d'Ille U Classic 35, c'est en Bretagne. Toujours en Bretagne, le lundi 17 août, le circuit des deux provinces, le Perche, enfin la dernière épreuve. Nous serons au mois de septembre, le 26 septembre, très exactement, avec le Grand Prix cycliste de Blangy. Ce sera en Haute-Normandie. Merci, bonne route, messieurs. 13h18. Le départ, donc, vient d'être donné à 180 coureurs. Très exactement. C'est parti donc pour cette sixième Gainsbar avec un aspect particulier et un look complètement différent des cinq éditions précédentes, puisque effectivement cette épreuve entre dans le cadre de la Coupe de France Look, c'est un clin d'œil en quelque sorte, et ce ne sont pas moins de 180 coureurs qui ont signé tout à l'heure la feuille de départ représentant l'élite nationale française. 30 équipes au total vont batailler ferme tout au long de cet après-midi pour la sixième édition de cette Gainsbar, et en souvenir donc d'un anniversaire un peu particulier, puisqu'il y a 20 ans très exactement, André Cantin recevait un chèque de 100 000 francs signé d'un des plus grands auteurs-compositeurs de la chanson française. Donc voilà, 2, 4, 6, 8, 10, 11 coureurs très exactement, et nous avons notamment Mathieu de la Rosière. Oh là là, le peloton donc très étiré, allure excessivement rapide de ce peloton qui est tenté notamment donc par le coureur Jérôme Ménard du CR4-01. Ça va vite, très très vite. Quand nous parlions de course d'usure, eh bien nous sommes en plein dedans puisqu'il n'y a absolument pas eu de temps mort. Nous avons vu Nicolas Bouvier-Gaz du GSC Blagnac au sein du peloton la passer tout à l'heure. Encore une fois, ce sont bien les coureurs qui font la course, puisqu'à l'occasion de cette Coupe de France Look, la première échappée était véritablement la bonne. S'ils étaient 11 au départ, eh bien, un de ces coureurs a lâché prise, étant donné le rythme très rapide de l'épreuve. Donc c'est à 10 coureurs qu'ils ont évolué depuis le kilomètre 17 jusqu'au 170e kilomètre, alors qu'on a pensé à un moment que le peloton allait revenir et fondre sur les échappées. Il n'en a rien été, puisque le coureur Thomas Bouteille a réussi à préserver ce minimum d'avance qu'il possédait pour aller s'imposer très brillamment au sprint devant le coureur lituanien Elvadas Siskevičius, et à la troisième place Yann Morris. Mais je pense que les spectateurs auront pendant très longtemps des images fortes de cette Coupe de France Look. On attendait beaucoup, et la bagarre qui a eu lieu hier sur les routes de Port-Bail, eh bien c'est déroulé, on ne s'y attendait pas spécialement. Le CC Etup s'est maintenant installé donc en tête de la Coupe de France. Le Creusot, qui était leader avant le départ, a perdu cette place effectivement. On attendait aussi beaucoup de Marseille, mais en plaçant 5 coureurs devant, eh bien, le CC Etup a véritablement dominé la situation au cours de cette journée. C'est une course. On a vécu une journée exceptionnelle à Port-Bail aujourd'hui avec cette Coupe de France organisée bien sûr à l'initiative d'André Cantin. Je vais tout de suite commencer par le remercier, lui et toutes les personnes bénévoles qui travaillent avec lui. Rappeler qu'on a pu monter cette course grâce à des partenariats du département, de la région, de la communauté de communes, de la commune de Port-Bail, puisque c'est une opération financière extrêmement importante. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ajouterai que la course a été somptueuse du début à la fin, puisqu'il y a eu des échappées dès le deuxième tour, on va dire, dès le 17e kilomètre, et que cette échappée est allée jusqu'au bout, ce dont personnellement je me réjouis, puisque je considère que quand on est un attaquant, quand on est un battant, il faut avoir beaucoup de volonté. Et il me semble que c'était une juste récompense de voir ces 10 garçons aller jusqu'à la fin de la course. J'ai envie de dire que les 9 équipes qui n'étaient pas représentées dans cette échappée ont eu tort de jouer au chat et la souris. Ça marche souvent, mais cette fois-là, ils ont échoué, on va dire, à une poignée de secondes, puisque je crois qu'il y avait une quinzaine de secondes entre les échappées et le peloton. Donc c'est bien, je suis ravi de cette course, même si le beau temps n'était pas tout à fait là, mais il n'a pas plus qu'est l'essentiel.
Et puis, pour faire plus général, dire que c'est, il y avait beaucoup de monde sur le circuit pour l'avoir fait complètement, avoir fait deux boucles complètes. Il y avait énormément de monde sur les deux circuits que j'ai fait. Il y avait énormément de monde à l'arrivée. Preuve est faite que le cyclisme reste une manifestation populaire importante et que les habitants de la Côte des Îles, mais de façon beaucoup plus large du département, sont ravis qu'on ait des organisateurs, des clubs sportifs qui organisent de telles manifestations. Dédé, donc Coupe de France Look, c'était plutôt exceptionnel, attendu, c'est vrai, une candidature où la Fédération française de cyclisme t'a fait confiance, et je pense que tu n'as pas été déçu. Non, je ne suis pas déçu du tout. Je me suis donc battu un peu pour avoir cette coupe parce que ce n'était pas facile au niveau du créneau de la date. Bon, les responsables du comité de Normandie et de la Fédé m'ont fait confiance. Je pense que bon, ils n'ont pas été déçus. Moi, je ne suis pas déçu parce que bon, on a eu une superbe course. 180 coureurs, dont les meilleurs clubs de France dans la Manche. À ma connaissance, on ne l'a jamais vu. Avec, comme tu disais, une superbe course, du suspense jusqu'à la fin. Un beau vainqueur, un public énorme. J'ai jamais vu un public aussi nombreux sur une course dans la Manche. Donc moi, je suis satisfait d'avoir énormément fait d'efforts pour organiser cette coupe, troisième manche de Coupe de France. Donc je suis bilan satisfaisant et je suis content. C'est difficile de faire plus. Est-ce que tu as d'autres idées dans la tête ? Non, le maxi qu'on peut faire, enfin moi à mon avis, c'est la Coupe de France Look, parce qu'on est assuré d'avoir un plateau complet. Mais bon, je ne monterai pas d'un échelon, parce que l'échelon supplémentaire, c'est une équipe, une organisation pro, si on peut dire. Et pour moi, il est hors de question budgétairement, et c'est trop de travail. Déjà, l'organisation d'une telle manche de coupe, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Là, ça fait 4 mois que je suis à travailler intensif là-dessus. Donc je suis satisfait. Pourquoi pas en refaire une autre dans 2 ou 3 ans ? Je dis pas non, mais pour l'instant, c'est pas dans mon programme. Par contre, je voudrais bien faire évoluer un peu la Gainsbar standard, si on peut dire, sans coupe, de façon que les clubs qui m'ont été fidèles cette année, qui sont là aujourd'hui présents, reviennent. Et apparemment, j'ai que des bons échos de l'accueil et tout, et même des cirques. Donc j'espère avoir encore un super plateau l'année prochaine. La Gainsbar a encore de beaux jours devant elle. Bah oui, c'est comme je dis tous les ans, si budgétairement je peux, et bon, santé et tout, moi je continue. Hein, mais bon, on ne sait jamais. Mais dans ma tête, oui, je continue. Très bien. Bah écoute, rendez-vous en 2010 cette fois pour, on l'espère, un aussi beau plateau. Et même si ce n'est pas une Coupe de France, je pense qu'on aura une très belle épreuve.